Développement économique de l'Afrique. Le poids de l'Algérie. L'engagement de l'Algérie pour le développement économique de l'Afrique vient en appui à son combat, au lendemain des indépendances, pour un continent de paix et de stabilité, débarrassé de toute ingérence étrangère. En plus de son engagement pour la paix et la sécurité en Afrique, l'Algérie accorde une importance grandissante au développement économique de ce continent. Pour cela, elle ne lésine pas sur l'effort financier au profit des pays africains. C'est ce qu'il convient de retenir de l'allocution du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Ataf, à l'ouverture, hier à Rome, du Sommet Italie-Afrique, en présence de plus de 25 pays africains. Représentant du président Tebboune, le chef de la diplomatie a indiqué que l'Algérie a mobilisé d'importants moyens pour concrétiser des projets structurants qui bénéficieront au continent africain. Parmi ces projets stratégiques, il a cité la route transaharienne et le gazoduc transaharien en plus de la route reliant l'Algérie à la Mauritanie et celui de la fibre optique. Ahmed Ataf a expliqué au présent à ce sommet que la concrétisation de ces projets et de nature a créé une liaison directe entre les pays du Maghreb et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour les fins du développement économique et celui des infrastructures du continent, Ahmed Ataf a mis en avant l'importance du partenariat entre l'Italie et les pays de l'Afrique. D'autant plus que, les infrastructures de base manquent énormément dans notre continent, a-t-il relevé. Ce qui bloque, a expliqué le ministre, le développement économique à hauteur de 2% en plus d'une baisse de la productivité de près de 40%. Il a noté, à ce sujet, que la majorité des études démontrent la relation entre la faiblesse des investissements étrangers et les infrastructures de base en Afrique, dont le réseau routier ne couvre que 25% de son territoire. Une raison pour lui d'appeler au financement de projets pour la réalisation de nouvelles infrastructures en Afrique. Pour le ministre des Affaires étrangères, il ne fait point de doute que le problème du manque de financement pour les projets d'infrastructures demeure un obstacle principal pour les pays africains. Ces derniers enregistrent un manque estimé entre 130 et 170 milliards de dollars, selon les estimations de l'Union africaine. D'où le plaidoyer de Ahmed Ataf pour la mise en œuvre d'une vision intégrée des infrastructures existantes. La tenue de ce sommet marque le lancement d'un nouveau plan de coopération entre les pays africains et l'Italie, baptisé Plan Matei pour l'Afrique. Ce plan prévoit un programme d'investissement et de partenariat, lié essentiellement au secteur de l'énergie. La participation de l'Algérie à ce sommet vise à affirmer la nécessité de placer les besoins et les aspirations des pays africains au centre des préoccupations du partenariat Afrique-Italie, en su de proposer des projets concrets susceptibles de soutenir le développement socio-économique des espaces sahélo-sahariens et euroméditerranéens, avait indiqué dimanche le ministère des Affaires étrangères. Dans son intervention lors de la séance sur la sécurité énergétique, Ahmed Ataf a présenté la vision de l'Algérie et ses efforts en tant que partenaire fiable contribuant de manière concrète et efficace au traitement des défis et problématiques posés dans ce contexte. Pour sa part, la présidente du Conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni, a souligné que la vocation naturelle de l'Italie était d'être un pont entre l'Afrique et l'Europe, lequel devrait être construit à partir de bases solides en vue d'écrire une nouvelle page dans les relations entre les deux continents. Nous, Italiens, avons l'avantage de pouvoir construire non pas à partir de zéro, mais à partir des bases solides qu'un grand Italien comme Enrico Mattei a bâti, il y a longtemps, a déclaré Giorgia Meloni. Le nouveau plan de coopération entre les pays africains et l'Italie, baptisé Plan Mattei pour l'Afrique, du nom du fondateur de la société énergétique Eni, disposera d'un budget initial de 5,5 milliards d'euros, dont environ 3 milliards proviendront du fonds climat de l'Italie et environ 2 milliards et demi des ressources de la coopération en développement, a-t-elle expliqué. Affirmant que le plan Matei est un plan concret d'intervention stratégique concentré sur les moyens et long terme, Meloni a souligné qu'il ne s'agit pas d'une boîte fermée, mais d'une plateforme ouverte et le partage est l'un des principes clés. Sur l'immigration clandestine massive, elle dira qu'elle ne sera jamais stoppée, et les trafiquants d'êtres humains ne seront jamais vaincus, si les causes qui poussent une personne à abandonner son foyer ne sont pas traitées en amont. Tréurge, Jamel Belmadi trahit l'Algérie. Presque une semaine après l'élimination amère de l'Algérie de la CAN 2023, le feuilleton Jamel Belmadi persiste, avec une nouvelle tournure teintée d'indignité. Le désormais ex-sélectionneur de l'équipe d'Algérie semble refuser de résilier son contrat, suscitant des controverses quant aux termes financiers et moraux de son départ. Selon les informations les plus récentes, Jamel Belmadi devrait quitter l'Algérie cet après-midi à bord du vol de Qatar Airways QR 1380 à 15h35. Cependant, la situation contractuelle reste floue. Car le technicien de 47 ans n'aurait encore rien signé. Les rapports indiquent que l'entraîneur réclamerait la totalité de ses salaires jusqu'en 2026, soit près de 5 millions d'euros, en tant qu'indemnité financière pour la résiliation de son contrat. La question de l'indignité morale se pose également. Belmadi, qui a souvent évoqué un contrat moral avec le peuple algérien, soulève des interrogations sur sa demande d'une indemnité aussi importante après les récents échecs de l'équipe nationale. Alors que les trois dernières déconvenues ont déjà eu un impact financier considérable sur la fédération, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille demande une somme significative qui pourrait aggraver la situation financière de l'instance présidée par Wali Sadi. Au-delà de la débâcle sportive, l'image de Belmadi semble être entachée par cette polémique financière. Les supporters et observateurs du football algérien expriment leur déception face à cette situation, soulignant l'importance des valeurs morales et de l'intégrité dans le sport. La controverse autour de la résiliation de contrat du désormais ex-driver des Fenech jette une ombre sur sa sortie, ajoutant un chapitre difficile à sa relation avec le football algérien. En procédant de la sorte, le champion d'Afrique 2019 laisse planer le doute sur un possible recours à la FIFA. Comment l'Algérie coupe l'herbe sous le pied du nuisible Benzaïed au Soudan En assurant son hôte soudanais, le général Abdel Fattah al Abderrahman, du soutien actif de l'Algérie contre les « forces du mal », le président Tebboune pointait clairement un doigt accusateur en direction des Émirats arabes unis et du belliqueux Mohamed Ben Zayed, qui multiplie les actes inamicaux à l'égard de notre pays. Des actes dénoncés par le Haut Conseil de sécurité, HCS, dans un communiqué officiel, ce qui signifie que les hostilités entre Alger et Abu Dhabi sont ouvertement déclarées, même s'il s'agit d'une guerre froide. Selon des sources soudanaises, la visite du président du Conseil de souveraineté transitoire en Algérie a un lien direct avec un événement qui se prépare au Soudan et qui vise à mettre fin à la guerre civile qui oppose les troupes d'Alburan aux milices de Mohamed en Dandaglo, dit parrainées par les Émirats arabes unis. En effet, les deux belligérants s'apprêtent à s'asseoir à la table des négociations dans le cadre d'une conférence intersoudanaise pour la réconciliation nationale. Les Soudanais se sont tournés vers l'Algérie, qu'ils considèrent comme un des quatre poids lourds du continent africain, avec l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Nigeria, et qui porte la voix de l'Afrique actuellement au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent pour jouer un rôle prépondérant dans la recherche d'une solution politique au conflit armé au Soudan. Les Émirats arabes unis alimentent la guerre civile dans ce pays, le plus grand d'Afrique avant son morcellement, en finançant et armant les forces de soutien rapide FSR du sanguinaire Hameti, un des chefs des Janjaweed groupe paramilitaire déployé par l'ex-président Omar al-Bashir pour réprimer l'insurrection au Darfour. Les FSR se sont emparés de l'ouest du Soudan et d'une partie de Khartoum. Elles se dirigent à l'est et pourraient, selon des sources médiatiques, avoir accès à la mer Rouge et investir Port Soudan. Ce qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie constante de Mohamed Ben Zayed de contrôler les ports africains et arabes, expliquent ces sources. Le rôle néfaste des Émirats arabes unis ne se limite pas qu'au Soudan. Son activisme nuisible au Maroc, en Libye et dans les pays du Sahel inquiète au plus haut point l'Algérie, qui voit dans l'attitude malveillante de Mohamed Ben Zayed une menace pour toute la région, d'autant que ce dernier sous-traite pour le compte d'Israël le plan de normalisation parrainé par les États-Unis. Une normalisation qui a permis au régime nazi de Tel Aviv de commettre ses crimes ignobles à Gaza et en Cisjordanie, sans que les États membres compromis de la Ligue arabe n'aient pu protéger les populations palestiniennes martyrs. Seule l'Algérie agit de façon concrète pour faire payer au criminel Netanyahou son génocide en cours. Ce tient disparu en Méditerranée, l'Espagne compte sur Alger. Le secours maritime d'Espagne continue d'envoyer des alertes aux navires et bateaux qui transitent à la fois par le détroit de Gibraltar et par la mer d'Alboran pour tenter de localiser les deux citoyens de Ceuta, âgés de 26 et 31 ans, disparus il y a presque deux semaines alors qu'ils naviguaient dans une zone entre Marbella et Cabopino. Des sources de l'entreprise publique en charge de la sécurité maritime dans les eaux espagnoles, rattachées au ministère des Transports et de la mobilité durable à travers la Direction générale de la marine marchande, ont expliqué hier que la recherche des deux macros est entrée dans une deuxième phase, sans des unités maritimes ou aériennes actives spécifiquement dédiées à tenter de les localiser. Nous continuons d'émettre des avertissements aux navires navigants dans la zone et nous restons en coordination avec les secours maritimes du Maroc et de l'Algérie en attendant que de nouveaux développements soient enregistrés, ont-ils indiqué. Les deux habitants de Ceuta sont portés disparus depuis le 16 janvier, lorsqu'ils ont quitté la ville autonome à bord d'un bateau en fibre de 6,5 mètres de long. Sa trace s'est perdue à une vingtaine de milles des côtes andalouses entre Marbella et Cabopino.